Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit oracle. C'est le Lenormand fantomatique de Irène Kapjean, dont je vous ai présenté sur ma chaîne également le petit Lenormand qui s'appelle le Sweet Blossom. Lenormand qui est magnifique, il est très poétique. D'ailleurs, si vous avez vu mes vidéos que je viens de diffuser, hein, je crois que je l'ai fait hier avant-hier sur les horoscopes du mois de septembre. Je fais également les horoscopes, j'utilise donc le Sweet Blossom, le Normand de Irène Kapjean. Alors là ici, celui-ci, c'est sur Instagram que je l'ai découvert. Je crois que c'était sur la chaîne de Claire de la Lune, il me semble. Elle le présentait. Oh, je suis tombée par terre, tellement qu'il est beau. Alors, vous allez voir, on va le découvrir ensemble. Donc, c'est le Lenormand fantomatique. Il est au prix de 26,50 €. Il n'est pas du tout excessif. C'est pour ça que j'ai craqué. Par contre, les frais de port sont onéreux, hein, puisque ils font 11,50 €. Donc, j'en ai eu pour 38 €, hein, au total. Mais il faut savoir que le jeu, il vient de loin. Il vient de... je sais plus, c'est la Suède je crois, ou la Norvège, je sais plus où aller, mais en tout cas voilà, hein, ça se comprend, on sait pourquoi. Voilà, le jeu il vient de très très loin. Donc il est arrivé dans une petite boîte, j'ai pas gardé la boîte, hein, la boîte on s'en fout, elle était moche, c'était une petite boîte blanche basique, mais voilà comment il arrive. Voilà, donc on a une petite pochette, vous voyez, avec des araignées. Pourquoi? Parce qu'il est basé, bien sûr, sur Halloween. Donc j'aime beaucoup, avec son petit ruban orange. Regardez, c'est superbe, hein, c'est mignon, avec sa petite toile d'araignée. Voilà, son petit ruban. Donc j'ai eu une petite carte de remerciement, bien sûr, hein. Donc ici, elle me marque. Alors je l'ai traduit parce que je n'ai pas ouvert le paquet. Chère Sandrine, merci beaucoup pour votre achat dans ma boutique Etsy. Je vous souhaite que votre achat vous ouvre un monde de possibilités et vous fournisse des lectures profondes et éclairantes. Que chaque jeu de cartes apporte clarté, sagesse et conseils dans votre vie. Signé Irène. Voilà, donc je suis très contente. Voilà la petite carte, ça c'est le bouquet. Alors, je crois que le bouquet... je pense pas qu'il soit c'est pas ça, c'est une carte d'un de ces jeux, mais je pense pas que ce soit en lien avec celui-ci. Donc on va regarder, je mets la petite carte. Alors vous voyez, c'est un petit papier rose. Alors je l'ai pas ouvert, hein, vous avez vu, j'ai été patiente, hein, j'ai attendu, hein, comme d'habitude. Voilà, j'ouvre d'abord et je vous fais la vidéo après. Là je me suis dit non, allez Sandrine, quand même tu vas attendre. Et des fois, c'est vrai, hein, on dit toujours que la patience est d'or, mais c'est vrai. Voilà, un petit peu de scotch. Donc, j'ai pas envie de tout arracher. Bon, je vais quand même devoir, parce que le scotch, de toute façon, ça colle. Voilà, je vais devoir quand même arracher le papier. C'est un peu dommage, parce que j'aime bien, c'est du papier de soie. Voilà. Il est... Bon, ben voilà. Hein, allez, c'est pas grave. Bon, allez. Oh, il arrive dans une petite boîte en fer. Ah, c'est une petite boîte en plastique, pardon. Ah, génial! Alors, ce que j'aime, vous voyez, c'est qu'il est tout petit, hein. C'est un petit Lenormand. On peut le mettre dans son sac à main. Il est super léger. Le jeu ne va pas s'abîmer du tout. Ah, ça, c'est génial. Alors, on va regarder. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Donc, petite boîte très sympa. Voilà, ça, c'est comme d'habitude, hein. On a un petit bout de papier autour. Bon, ça c'est pas grave, je peux l'enlever, hop, et on a de suite les cartes. Alors bien sûr, alcool, je vais les décoller. Voilà, je vais les décoller comme ça, les faire glisser. Alors je vais regarder. Ah, ok, d'accord, ok, ok. Alors ça c'est le dos. Donc en fait c'est le Lenormand fantomatique basé sur Halloween. C'est pas beau ça? C'est pas chouette, hein? En sachant que on va passer à la saison d'automne le mois prochain, on va pouvoir décorer sa maison dans les tons de ocre, orangé, terracotta, dans les tons marron. Enfin c'est toujours une déco bien sûr qu'on adore, hein? Et voici le dos des cartes. Regardez comme c'est joli, magnifique, sublime. Alors elles sont un peu brillantes ce que je vois. Alors elles sont très fines, très très fine, vraiment.
C'est dommage, j'ai pas le Sweet Blossom à côté, sinon on aurait pu faire une différence. Enfin bon, bah, de toute façon, c'est pas grave. Je suis contente de l'avoir quand même, hein. Je regrette pas du tout mon achat. C'est la première fois que j'achète aussi vite, que je me lance comme ça. Il m'a trop plu. Et vous allez voir, vous allez aussi, je pense qu'il va aussi vous plaire. Donc il n'y a pas de dorure, hein, bien sûr. Donc on a ici une petite carte de... Voilà, une présentation. Et on va de suite, tout de suite, tomber donc sur les illustrations que je vous montre. Donc là, on a le cavalier. Il n'est pas beau, ce petit cavalier, là? Le cavalier, moi, de suite, il me fait penser à le cavalier sans tête. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il est passé... sur quelle chaîne je l'ai vu? Je crois que c'était TF1+. Non, c'est sur Netflix? Non, sur RTL9. Voilà. Et je me suis régalée. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je me suis régalée. Ici, on a le trèfle. Regardez comme il est beau avec ses petits fantômes. Regardez sa petite fleur. Oh, c'est mimi. C'est vraiment beau. Hein. On a le vaisseau. Oh, il est chouette. Dans les tons comme ça, avec ce ciel ocre. Le vaisseau, il est superbe, hein. C'est des vaisseaux qu'on aime, je trouve. J'aime pas quand il y a des cartes où les vaisseaux, ils sont modernes. J'aime bien ces vaisseaux anciens comme ça. Avec cette lune, on voit les chauves-souris. La maison. On a l'arbre. Les nuages. Waouh, c'est chouette. Le serpent. Oh, avec la bougie. Oh là là, il est magnifique. Le cercueil, c'est beau, hein? Le bouquet, oh, super. Ça donne en même temps des idées de décoration. Vous voyez, on met un voile noir, voilà, un chandelier, une bougie orange. Si on a un vieux vase en terre de couleur qui nous plaît plus, hein, voyez, on peut le peindre en noir. Ah, c'est pas mal comme idée, hein? Et mettre des petites citrouilles autour. Tiens! On a la faux. On a le balai avec le petit chat. Regardez comme il est beau. Oh. Le petit chat noir, il me fait penser au mien, bien sûr, à Mabon. Et j'ai vu que Laurent sur Instagram aussi, elle a recueilli un petit chat noir. On voit d'ailleurs la progression, sa petite évolution. Il me fait penser à lui aussi. Ici, c'est les oiseaux. Oh, qu'est-ce que c'est joli. L'enfant, oh, on dirait, comment ça s'appelle, l'os morté. Ah, oh, superbe, elle est belle. Ah, hein? Oh, le renard, waouh. On a l'ours, tout mimi, l'étoile. On a la cigogne. Oh, le petit chien qui est mimi. Oh oui, il est trop mimi. La tour. Ici, c'est le jardin. C'est chouette. La montagne. Oh, c'est vraiment joli, hein. Le chemin. Oh là là, je crois que ce jeu va avoir un succès monstre. C'est obligé, il est trop beau. La 23, ces petites souris. Regardez comme elles sont toutes mignonnes, ces petites souris. Ah, génial, avec le cœur. Ah, c'est chouette, c'est bien fait. C'est vraiment l'anneau, voilà, pris dans le filet. Ici, on a le livre. Ah, Halloween. La lettre. On a l'homme, waouh, chouette, hein, superbe. Ah, on a deux hommes en fait, deux hommes différents. Ils sont beaux, hein, on dirait un peu Zorro là, avec son masque. Ah, oh, mais j'adore. Alors, et les femmes, ouais, magnifique. Oh là là, elles sont belles toutes les deux, j'adore. Différentes, hein. Un aspect plus sombre ici, un aspect plus charmant ici.
Ici, on a le lys. Très, très joli. Ah, le soleil. Alors, on va regarder la lune. Waouh, la petite sorcière sur la lune. Oh, trop chouette. La clé, magnifique. Les poissons. L'encre. Et on a la croix. Oh, super. Je suis trop contente. Trop contente. Je me suis fait plaisir. Ouais, c'est bien, Sandrine. C'était la fin du mois, fallait pas, mais c'est pas grave, je regrette pas, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau, je suis trop contente, il est magnifique. Waouh! Ah, ça, c'est un jeu vraiment chouette, hein. Alors, je vais ressortir, bien sûr, l'oracle de Halloween, que j'aime beaucoup aussi, hein, et l'associer avec celui-ci. Waouh, superbe! Oh, ça donne envie, hein. Ça donne envie de faire déjà une jolie déco. Quoique moi, j'ai un petit peu d'oranger déjà à la maison. J'ai mes rideaux orangés, j'ai des tableaux, j'ai beaucoup d'orange parce que c'est toujours une couleur qui m'a toujours plu. Comme la couleur terracotta, hein, qu'on fait aujourd'hui. Et c'est une couleur, si vous l'avez chez vous dans votre déco, alors il ne faut pas en mettre de trop, mais c'est une couleur, vous verrez, vous ne vous lasserez pas. C'est la seule couleur, je trouve, qu'on ne se lasse pas. Autant on peut se lasser du vert, par exemple. On peut se lasser du jaune, on peut se lasser du rouge, éventuellement le bleu, bien que le bleu, c'est tellement une couleur apaisante qu'on ne se lasse pas. Mais l'oranger, je peux vous assurer qu'on ne s'en lasse jamais. Que ce soit l'été ou l'hiver, c'est une couleur tellement chaleureuse. Ah, oh, il est magnifique. Super. Ben, je suis très contente de vous l'avoir partagé. Je suis très contente de l'avoir. Regardez ce dos. Waouh, c'est trop chouette. Ah, trop chouette, trop chouette, trop chouette. Je vais pouvoir l'emmener partout. Voilà. Je vais garder ma petite boîte, ma petite carte de dédicace. Voilà. Et puis, je vais pouvoir, bien sûr, le ranger dans sa petite pochette. Alors, aussi bien, je le mettrai directement dans la petite pochette que je rangerai dans la boîte en plastique. Je ne sais pas. Mais voilà. Donc, c'est Irène Capjean. Je vais vous mettre son. Comment dire? Si vous voulez le commander, je vous mettrai en barre d'infos son site sur Etsy. Hein? Alors, je ne sais pas si vous pourrez cliquer directement dessus et tomber dessus. Je ne crois pas. Parce que je vais vous l'écrire comme ça. Je n'ai pas fait de lien. Mais en allant sur Etsy, si vous tombez, si vous tapez Irène Kadjin et ou alors son site, vous n'aurez pas de mal à le trouver. Voilà, bah, écoutez, j'ai été ravie, je suis très contente. Franchement, je suis. Oh là là, je suis ravie de l'avoir reçu. Quel bonheur, franchement, c'est un oracle, un petit Lenormand magique, je vais dire. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!